Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es en train de laver ta voiture à l'éponge, s'il te plaît? Il y a un macou mais qui vient y faire chier, moi. Il y a un petit macou mais qui vient y faire moins chier. Foutez-lui un paquet de lui là dans l'auto, moi. Après, je suis tout bien là. Donc, du coup, Achille il m'a échangé ses Cupra 18 contre ces jantes-là. Non, il y a un haters. On appelle ça comme ça dans le jargon, qui est venu verser de l'huile partout sur sa voiture, sur ses véhicules. Autant vous dire qu'il n'est absolument pas content du tout là. Je crois que ça le fait chier plus lui de venir se déplacer foutre de l'huile que de moi de nettoyer. Voilà, c'est ça qu'on va entendre, c'est-à-dire que tu peux revenir sur son, on s'en fout. Reviens tous les jours, frère. Là, les gars, nous sommes en plein atelier, nettoyage du futur bloc forgé de la Seat 1.9 TDI 160, qui est mon véhicule de sport. Donc là, on lui brosse un petit peu les dents, tout ça. Bon, c'est pas la culasse qu'on va mettre dessus. Hein. C'est la culasse qu'il va mettre sur sa prépa à lui. T'es prêt? Ça tourne là? Arrête. Bon, là, avec Achille, on s'est lancé un petit pari. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que je rigole pas. Ça, c'est son ancien moteur ASZ où il y avait une carte au pop and bang. Mais il y avait des pop and bang. Oh, on va essayer de retrouver les snaps pour leur, ouais, vous le mettre. Ouais, t'en as. Et je pense que la culasse elle est pas belle, et lui me dit ouais, elle a rien du tout, donc on va faire un pari. Si elle a rien du tout, ben, il va à 22,65 dessus, c'est encore le joint de culasse d'origine. Elle a chauffé une fois. Non mais écoute, on fait un pari, écoute bien. Vas-y. Si elle a des traces, tu te rases la barbe à blanc. Genre vraiment, tu sais, vraiment même la moustache tout. Ouais. Et si elle a pas de traces, je me rase la barbe à blanc. Ok, c'est bon. Vas-y. T'es sûr? Vas-y. Ouais, vas-y. Ok. On fait comme ça. Tu stresses ou pas? Non. Eh, hey, je vais prendre une loupe s'il y a une trace. Ouais, t'inquiète. Prends le feuille en froid, WD et tout. T'es mort. Là, t'es mort. Par contre, échange pas de culasse. Non. M'en bats les couilles, c'est moi qui vais déculasser. Tu te rappelles la culasse de la mienne déjà? Ouais, mais toi, c'est elle avait un problème de ta bagnole, tu l'as acheté chez. Tu couperas pas. Là, les amis, les hostilités commencent. J'ai armé mon mécano. Tu commences? Donc démontage de la culasse d'origine du bloc ASZ qui va sortir à peu près 450 chevaux, je l'espère, si Achille il veut se mettre au boulot, mais c'est tellement rare. Il me fournit des 18 pour sortir 400 chevaux, comment veux-tu que je fasse, frère? On t'a coupé la barbe, c'est ça? La barbe, c'est quoi ça, la barbe? La barbe. Bon, comme vous pouvez voir, c'est l'ancien bloc à Achille. Il avait monté des poussourines à blague, bien évidemment. Achille, lui, il va te faire commander toutes les pièces possibles, le plus cher possible, mais quand c'est pour sa voiture, il met pas de bielle, pas de piston, pas de poussoir, rien, mais il met toutes les pièces performance. Arrête de faire durer le suspense, t'as peur de te raser ou quoi? Eh, j'ai du nettoyant frein, j'ai du nettoyant jante extrême pour regarder. J'ai le karcher, moi. Et comme vous pouvez le constater, il y a des commis en cuisine, mais aussi des commis en mécanique. C'est juste ici. Non, je vais voir qui c'est qui va se raser dans 2 minutes. Hein? Je vais voir qui c'est qui va se raser. Eh ben, ça sera pote et noisette. Je suis sûr il a déculassé pendant la nuit, il a mis une autre culasse, mon chien. Qui c'est qui va couper sa barbe? Bah toi. Mais t'es un baiser ou quoi? Il y a rien, mec. On va les couilles. Il a vu de me couilles. Rien. On va les couilles. Eh, où s'il te plaît? Vas-y, on va nettoyer. Est-ce qu'il y a une trace? Non, on va nettoyer. Est-ce qu'il y a une trace? Ça, faut prendre un carton ou je sais pas. On va nettoyer. Prends le bio. Là. Le bio, c'est quoi ça en bio, ça? C'est ça? Achille, je t'ai un peu saisi qu'il s'est pas changé, ça doit faire au moins 6 mois. Eh, hey, la vie de ma mère que tu vas te raser! La vie de ma mère, tu vas te raser! Tu vas te raser, hein!
Je le garantis que tu vas te raser. Regarde, regarde déjà, rien que là, là. T'inquiète pas, il va se raser. On voit rien, frère. Il y a une petite trace là. Ouais. Il y a quoi? Une petite trace là. Ouais, il y a une petite trace là. Ouais. Oh. Attends, vas-y, vas-y, attends. La voiture, elle faisait des pop and bang flammes. Mais des trucs de baiser. Ouais, ça a rien fait. Comparé à ta culasse, frère. Hey, je m'en bats. J'en ai rien à foutre. J'ai bien écouté les rushs d'avant. Même, tu peux bien nettoyer. Tu peux me nettoyer en jante, nettoyer en frein, tout. Oh, regarde. Il y a une toute petite trace là. Là, après. Là, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Là, non, celui-là, ça va aussi. Il n'y a rien. Il y a une trace ici. Non, là. Là et là. Et là, une petite trace. Donc, et là. Et en plus. Donc, mais non, mais non, mais la vieille mère, elle est neuve, mais. T'as un baiser ou quoi? Achille, c'était quoi le deal? C'était quoi le deal? Eh bah, tu sais quoi? On va faire un truc. C'est quoi, vas-y? On va faire un truc. On va laisser les abonnés commenter en commentaire. Ouais. C'est ceux qui trouvent que si elle est neuve ou si elle est abîmée. Vous avez juste à reculer un peu la vidéo. Eh, hey, je vais prendre une loupe s'il y a une trace. Ouais, t'inquiète. Nettoyant froid, WD et tout. Et aller vérifier ce qu'il a dit juste avant, on est d'accord. Mais mec, t'es un handicapé. Si tu veux, mais c'est pas moi qui va ressembler à une burne. Non. Les gars, la culasse, elle est marquée. La tête de merde. La culasse, elle est marquée. Bon, regardez bien la taille des conduits avant, enfin d'origine, et préparé. Donc ça, c'est d'origine. Et puis là, quand c'est préparé. Oh ouais, ça va, c'est pas... Comme on... Ouais, il y a quand même une diff. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va déposer le carter d'huile. On va déposer piston BL d'origine pour y monter les traitements céramiques et les BL Max Speeding. Mais Achille est en train de se poser la question si justement le chantier n'est pas trop gros pour lui, si il se contenterait pas de changer que des plaquettes de frein. Ce qu'il faut savoir, Achille, c'est avant tout un changeur de plaquettes de frein et de pneumatique. Et là, il est en train de se poser la question. Bon, ce qu'il faut savoir aussi sur le joint de culasse là, c'est qu'il ne va pas le jeter à la poubelle. Il remontera sur une autre plus tard. Il va le mettre avec tous les joints de culasse qu'il a déjà dans son garage. Et puis, si vous venez chez Achille faire un peu de mécanique, il vous mettra un joint d'occasion comme ça. Pas du problème. Bon, on s'est mis au travail ou il faut prendre rendez-vous, mon ami? Je crois qu'il faut aller sur Doctolib pour prendre rendez-vous là. C'est moche. Attendez, parce que vous. Je savais que t'allais faire un commentaire. Je vais rien dire, je m'arrête là. Ouais, arrête-toi là. Je m'arrête là parce que. On dirait vraiment un plaidor assis sur sa botte. Mais mec, mon t-shirt est trop grand, mec, ça me pense. C'est même pas un t-shirt, déjà, c'est même pas un t-shirt. Oh, j'aime trop. J'aime trop ça. Bon, attends, je vais la poser juste ici. Quand j'ai pris Achille en stage pour la première fois pour lui apprendre à faire de la mécanique. Achille, je l'ai connu il y a des années maintenant. Il avait 17 ans. Je lui faisais la conduite accompagnée sur ma 550 F10. Pour la conduite accompagnée, il n'était pas déclaré. Hein. Je vous mens pas. Tu te rappelles cette fois? Un jour, j'ai failli m'endormir. Enfin, je me suis endormi. Il s'est endormi l'enculé. En vrai, c'est le porte-moteur là, c'est un truc de baiser, comment c'est bien. Bon, et toi, va chercher ta tondeuse. Hein. Eh, on a dit, on laisse. T'as dit, il y a pas une seule trace. Tu prends n'importe quel enculé, s'il y a pas des traces comme ça dessus. Écoute, on va faire comme ça, mec. Mais mec, tu vas pas me dire qu'elle a abîmé, frère. Je t'ai pas dit qu'elle était abîmée. Non. Je t'ai dit qu'elle avait des traces. C'est pas une trace, ça, mec. Oh, j'aimerais pas voir les têtes de ton caleçon, mon vieux. Si ça, c'est pas une trace, j'aimerais pas voir le falzard du monsieur. Tu prends du T40, tu desserres la couronne de la pompe à huile. Et pour desserrer la vis, faut que tu serres. T'es sûr? Ouais. T'as pris ça où? À l'école. Non, je crois pas, non. Non, ouais, t'as pris ça à l'école? Ouais. J'essaye. Tu sais pourquoi? Parce que le moteur, quand il tourne, vu qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et bah si tu aurais serré la vis dans le même sens, ça serait desserré quand tu aurais démarré le moteur ou quand tu aurais roulé. Bien joué. Les gars, je suis pas mécano, mais je suis ingénieur. Aïe, quel vilain ingénieur. Donc là, je serre. Alors, bienvenue sur la Flop TV, nous venons de foirer la vis de la pompe à huile. Tada! C'était peut-être du T45. Ça, t'as pas pris ça, les gars? Mais je crois que c'est pas la... Tu vois, la vis, elle est baisée. Ouais. Mais les gars, on peut pas travailler, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, c'est du T40, il me donne un truc. Bon, c'était peut-être du T40. Les gars, ça commence. Bon, en fait, l'idée de la vidéo, c'est qu'on vous fasse en même temps des tutos pour comment on monte des pistons, des BL, comment on cale une distrie, comment on règle des injos. Comme ça, vous pourrez à la maison, à votre tour, préparer votre véhicule tout seul comme on le fait. Mais en utilisant les bons outils. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, les amis. Ni l'huile qui a sauté là. On va monter ça sur la voiture.
Pas de pression d'huile. C'est pour ça que vous voyez jamais votre mécano travailler, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est sûr, ça, je sers. Il avait bon d'un moment. Ça alors. T'es sûr? Je desserre. Vas-y. Hey, la vie de ma mère que je coupe pas en montage, j'en ai rien à foutre. Je coupe pas en montage, j'en ai rien à branler. Moi aussi. C'est parce que c'est une Ridex aussi, frère. Ça lâche trop avec ta main. Oh l'enculé, putain, mais il va me baiser le doigt, je vais finir avec l'île de la main, que ces conneries. La vie de ma mère, je crois que c'est à l'envers, moi. Pourtant, j'ai déjà fait plein. Ah ouais? C'est quoi ce délire? La vie de ma... Achille Pro TDI. Pro TDI. Les gars. Déjà, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont mettre plus de temps à écrire que moi, je vais rigoler. Mais les gars, c'est pas possible. Bon, en tout cas, t'as la douille de 10. On avance. La douille de 10, elle doit être dans le coin. Elle est pas au petit coin, elle est dans le coin. Je sais pas où elle est. C'est quoi ce flop? C'est le futur nom de la chaîne YouTube. Comme pour la couronne, tu sers pour des séries. Il sert tellement, oui, c'est l'idée. Les gars, on n'a pas fini. On vous a dit qu'on allait vous faire une grosse vidéo TDI, c'est le cas, mais c'est parce qu'on fait n'importe quoi. On n'a jamais forgé un moteur, c'est la première fois qu'on le fait. Ouais, on a déjà démonté un moteur. On a déjà démonté un moteur. Mais pas ça sur la poubelle. Je mets ça sur le gars. Là, tu peux enlever ta couenne. T'as pas besoin de la marquer, rien, tu sais déjà comment ça se met. Je te fais plus confiance, Achille, c'est fini. Ouais, d'habitude, quand il fait la mécanique sur mes moteurs, je suis pas là. La clé à choc, la vie de ma mère. C'est à qui la clé à choc? C'est à moi. Non. C'est à qui la clé à choc? C'est à moi? Oui, certainement. Oui. Hey, c'est l'idée. Dès que ça fait plus de 10 minutes que c'est ici, c'est à moi, frère. Oui, c'est ça. Là, faut enlever le joint d'équilasse. Ouais, pas mal. Donc là, faut faire comment, la chute? C'est quoi la suite, là? Je suis un bouffon. Quand on arrive là, faut faire comment? T'as vu, je voulais faire quoi ou pas? Ouais, tu voulais tourner le moteur. Ouais. Mais tourner ça, là. Pas le tourner comme ça. Ah, tu voulais tourner ça, tu voulais tourner le moteur. Je crois que c'était la clé de... Hey, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, frère. Les gars, on va démarrer, on va mettre la première, la voiture, elle va reculer. Là, tu prends... Et c'est quoi comme pièce? Ça s'appelle comment ça, cette pièce-là? Un pied de bielle. Un chapeau de bielle. Un chapeau de bielle. Ok, un chapeau. Donc on va commencer par enlever les chapeaux de bielle. Ok, c'est là les chapeaux de bielle. Ok. Les gars, jamais ouvert un moteur. Quand j'étais ferrailleur à l'époque, il y a des années de ça, je démontais les moteurs, mais pour trier l'alu, de la ferraille, tout, pour aller au chiffonnier après. Et je regardais pas c'était quoi le chapeau, le pied ni l'oreille de bielle, j'en avais rien à péter. Moi, je voulais juste de l'alu, du laiton, du cuif. Donc là, je sers ou je desserre? Là, tu te mets en neutre, tu laisses tourner dans le vide. Ou si, j'ai l'impression qu'il cadre comme il baise. Très mal. Donc les chapeaux de bielle sont enlevés. Mais pas ça n'importe où, mec. On les garde ceux-là? Ouais. On change la visserie, bien évidemment. Eh, faut peut-être les remettre au bon endroit après, non? Ouais, c'est chaque chapeau a sa bielle. T'as déjà oublié? Non, celui-là, je l'ai pris là. Ok, bah attends, on va le faire un par un. Donc celui-là. Mais. Attends, je le laisse sur ça. Non, fais comme non. Ça, regarde. Ok. Et là, comme ça, on se trompe pas. Les gars, on est sans filtre. Si on floppe, vous floppez avec nous. On s'en fout. Nous. Ramasse-le pour pas qu'il tombe. Je ramasse quoi? Le piston. Non, il va tomber là. Ouais. Déjà, pas déjà. Casse-toi. Non. Allez. Tu es en train de me bisuter, espèce d'enfoiré. Vas-y. Mais non, mais s'il tombe, il est mort. Vas-y. Me dites pas que c'est aussi simple que ça parce que je me fous à poil. C'est bon, il vient. Il vient. Et il est là. Me dis pas que c'est que ça à faire. Donc là, celui-là. Tu mets la vis. Donc la vis, je la remets là. Et après, on va remonter des vis à RP. Hein. Mais c'est vrai. Arrête de rigoler, Achille. J'ai vu un mec sur TikTok qui mettait des coups de marteau sur les bielles que j'ai achetées. Bah, je vais faire plier pas. Pareil sur ceux-là, ils vont pas plier. On va les garder ceux-là, on va leur faire un traitement. Qu'est-ce que t'en penses? T'auras pas les couilles. Pff, mon pauvre garçon. Ou si demain matin à 8h, il est déjà à Paris. Sans maman, oui, sans papa. C'est un arabe, il écoute que du dancehall. C'est Houssine Martinique, est-ce que vous avez déjà vu ça? Là, du coup, Achille, tu retournes le moteur sans tenir la chaîne. Et regarde, t'as que la choc. Tu vois, je fais ça comme ça. Tu vois? Hop. Parce que nous, on met la main à la pâte, on n'a pas peur de salir, garçon. C'est la première fois de la NIF et de la mécanique. Dans les commentaires, vous me dire, mais les gars, vous êtes des malades, vous pouvez pas faire comme ça. Fais mes gels, là. Je vais passer devant des RS6C7 stage 2 avec ma Cupra comme ça, là. On va rigoler. Juste pendant une semaine. On a fait un petit concours Portugal contre Réunion, bientôt ça va venir. Je vais ramener un Portugais et je vais ramener un Réunionnais. Et on va voir c'est laquelle des SEAT ou du TDI qui marche le plus entre les deux. Mais je pense, toi tu penses que c'est qui? Vas-y, réponds honnêtement. Portugal, Team Portugal ou Team Réunion? En vrai, ça dépend de la personne. Voilà, faut pas qu'on ramène n'importe qui. C'est ça, faut pas qu'on ramène n'importe qui. Mais je dis qu'on est le jour numéro 2 et qu'on a récupéré le cadros. Filme ça vite fait. Comment ça se fait que t'as encore ta barbe toi aujourd'hui? Bah parce que la culasse est encore toute neuve. Ouais, c'est ça. Elle est très belle la culasse, wesh. Ouais, bah ça n'est pas ton cas. Bon les amis, on se retrouve pour le jour numéro 2 de la préparation moteur de mon véhicule. Donc il y a 2 minutes pour vous mais 24 heures pour nous. On vous avait laissé sur le démontage des bielles et des pistons du bloc qu'on va
forgé qui est juste ici. On a ramené entre temps ma Seat Ibiza de sport où il y avait le bloc qu'on vous avait préparé dans l'épisode 2,5. C'est ça, Mathéo, si je me trompe pas? Réparé. Ouais, réparé. Non, on avait acheté un bloc à la casse 100 €. On avait remis mon 22,69, mes Injo 120, mon arbre à cam 272 que j'ai plus ici parce qu'ils sont vendus, parce que nous montons des pièces beaucoup plus performantes, parce que nous n'arrivons pas à atteindre les 400 chevaux avec un 22,69. Alors, est-ce que je suis mauvais en carto ou Achille est mauvais en mécanique? On ne saura jamais. Les deux. Mais maintenant, on va plus aller chercher le 450 chevaux plus avec les pièces qu'on est en train de monter. Donc, nous allons commencer par Achille. Aller prendre le petit déjeuner. Non, ça, il l'a déjà fait, je pense. Et puis, il ne s'est toujours pas changé, si vous avez remarqué. Donc, on se retrouve ici. Donc Achille, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce que tu es en train de faire? Donc là, je vais vérifier et rectifier le jeu à la coupe du segment s'il y a besoin. Je vais faire ça sur les 4 cylindres. Après, montage des segments, montage des pistons sur les bielles et montage de l'ensemble dans le bloc moteur. Nous allons commencer immédiatement. Et en contrepartie, moi, je vais démonter le moteur qui va récupérer pour mettre dans sa charrette derrière pour espérer sortir un 250 chevaux. Bon, au travail mes amis, c'est parti. Achille est mécano, mais je lui pose juste une question. Comment on appelle la partie noire ici? Il a regardé une vidéo de 12 heures. De 12 heures hier. Ça y est, maintenant il connaît tout, il me pose des questions que je sais même pas. Ouais, c'est ça. C'est que moi j'ai tout bien regardé la vidéo. Bon, d'après les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, ça s'appellerait une collerette. C'est là où que le piston ne va pas. Ça, c'est Achille qui me l'a pris. Là, les gens, ils vont nous tuer. Donc là, on est en train de rectifier. C'est lequel celui-là? Et le B, c'est quoi? Il sert à quoi sur le piston? C'est bon, j'arrête des questions parce que. Mais non, mais je sais, mais je sais plus l'ordre. Je sais que soit le A ou le B, c'est le coupe-feu ou le l'étanchéité. Il y a le racleur. Le racleur, c'est le dernier. Après, t'as le... À mon avis, l'autre, c'est l'étanchéité et l'autre, le premier, le coupe-feu. Si tu le dis, Achille, c'est que t'as raison. Je sais pas, moi, je m'y connais pas. Je suis pas mécano pour un sou. Allume la clé à choc. Bienvenue sur la Flop TV. Donc, en fait, les amis, pour que vous compreniez mieux, on appelle ceci un piston. Et sur un piston, il y a, c'est la segmentation, Achille, c'est ça? Oui. Et en gros, il y a trois segments, voilà. Et pour ce faire, pour que la compression se fasse dans le moteur, il faut impérativement que là, il y a A, B et C. Et en gros, celui-là, on prend une mesure dans le cylindre, c'est ça? Mm-hmm. Et par exemple, si ici, la cote, elle est de 0,25, par exemple, et celui-là et celui-là, ils doivent être de 0,25. Donc celui-là, le premier, on n'y touche pas. Donc on prend la mesure au jeu de cale. Ensuite, le deuxième, si il rentre dans les cotes, eh bien, on n'y touche pas. Mais s'il est plus serré, on va le relimer pour qu'il fasse la même cote que le premier. Pareil pour le dernier. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut faire ça pour chaque cylindre. Donc là, il le fait sur le premier. Après, il fera le deuxième, troisième, quatrième. On va vous épargner ça. On vous reprendra juste quand il renfoncera le piston avec la bielle dans le cylindre. Hey, je connais moi. Je suis qui moi? Donc les segments sont posés, on les a relimés, tout est bon, tout est top. J'ai appris à Achille comment monter des segments parce que des fois je me demande s'il est mécano ou... Non, bientôt il va être barbier. Mais là on va chercher une bielle afin de lui mettre au fion. Ah dis donc, c'est pas trop tôt. Attends, j'ai une petite question à te poser Achille. Est-ce que tu sais comment on les positionne, tu sais, le segment A, B et C avant de le poser dans le cylindre? Ça s'appelle le tiercage, mais ça sert à rien parce que dans ton moteur, les segments ils tournent quand même. Voilà, vous avez vu comment il est? Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et quand on va démarrer, le moteur il va casser, vous allez voir, il va disparaître. Achille, il est où? Il est en Martinique, l'enculé. Il est reparti en Martinique. Moi, je vais vous expliquer quand même ce que c'est le tiercage. En fait, ce qui se passe, c'est que les trois segments, ils doivent être à 120 degrés chacun. Donc, par exemple, regardez, je vais vous mettre un exemple très simple. Le premier, il est comme ça. Le deuxième, il est comme ça. Et le troisième, en gros, ils doivent être à l'opposé, les trois. Donc, alors, comme ça. Hop. Hop, hop. Donc, on va regarder si vous voulez. Par exemple, si le piston, il va comme ça. En gros, il fait 360 degrés. Et ce qui se passe, c'est qu'ils doivent être, lui, en face, comme ça. Lui, comme ça, le deuxième comme ça et le troisième comme ça. Donc ils sont chacun à 120 degrés. Ça s'appelle le tiercage. Achille dit il veut pas le faire parce que ça sert à rien, mais moi je vais le faire quand même parce que c'est moi qui ai investi des 1000 et des 100 dans mon bloc moteur. Et ce n'est pas lui, étant donné qu'il veut jamais forger. Ça va le cadros? Est-ce que tu peux me dire on est sur des pistons quoi là? Vas-y, je te mets une petite question pour le cadros. On est sur des pistons céramiques. Oh, ah, il est fort le cadros. Vous allez voir, bientôt on va forger le moteur de la Clio 3 et c'est Mathéo qui va vous faire la présentation de la prépa moteur. Ils ont des pistons avec traitement céramique. Bravo le cadros, t'as gagné une bielle. Bon, comme il veut faire le fou à poser des questions, moi aussi je pose une question, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle le chapeau.
foulé sur ta tête le chapeau, oui. Le chapeau de Biel, ça s'appelle. Le pied, la jambe, le genou, le tibia. Ça s'appelle un axe de piston. Bon, je savais. Et ça, ça s'appelle comment ça? Ça, c'est une. Un joint. C'est quoi? Un circlips. Un circlips. Et ça s'appelle comment? Du gaz. Bon. Le fils de chien. Oui. On m'a tout au bain. En fait, dis tout novice à moi. Moi, ce que je t'aurais conseillé de faire, Achille, en tant que mécano confirmé, c'est que j'aurais mis les coussinets avant. Et après, ça va te faire chier. Je suis en train de ruiner la 406 à Jean-Claude. Moi, ce que là, comme vous êtes en train de le constater, Achille utilise la graisse d'assemblage. Ici, nous sommes dans un garage certifié. Et Achille, il a un contrat de travail et il est en train de travailler là. Tout est déclaré. Mais vous avez pas honte, les gars. Mais vous avez pas honte de travailler comme ça dans telles conditions. Tu sais ce que j'ai pensé? Que ça, c'était peut-être des pistons de TDI 100. Est-ce qu'il y a une différence entre un piston de TDI 100 ou de 160 ou de 130? Parce que les bielles, elles sont faites que pour les 130 et les, 100, et les 160. Hein. Les pistons, c'est des pistons. T'es sûr? Ah, un piston litre 9, c'est la même cote. T'es sûr? Bah, moi, je pense. C'est une question que je pose parce que je suis pas mécano et je veux juste m'informer. Je sais pas. Donc, dans les 10 minutes qui suivent, je suis à la clinique de la main si vous voulez savoir. Tu mets ta main en dessous, Gao? Ouais, je l'ai. Oui, bien. Bon les amis, nous allons passer au moment où Achille redoute depuis tout à l'heure parce qu'il n'a une fois de plus pas la réponse. Nous allons monter les coussinets de Biel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les coussinets de Biel qui sont juste ici, qu'on déballe ensemble, il y a deux coussinets différents en règle générale, mais pas ici. Pourquoi il y en a un qui est comme ça et un qui est comme ça, Achille? Parce qu'il y en a un qui va dans la bielle et l'autre qui va dans le chapeau. Mais alors, actuel, je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus, c'est lequel qui va dans quel sens? Donc pour ce faire, il va falloir utiliser de l'huile. C'est pas moi qui paye, j'en profite. Donc alors c'est le doré ou le mat qui va dans la qui va dans la bielle? Oh, ils sont tellement sucés, ils ont tellement goûté. Ouais, lui c'est le mat. Et tu l'as enlevé où lui? Le mat il est en haut. Le chrome il est dans la bielle. Tu veux être sûr? Tu veux redémonter une autre pour être sûr? Le mat il est en haut, le chrome est dans la bielle. Le chrome est dans la bielle. Donc là t'as mis le segment. Je sans commentaire parce que. Donc après on va prendre l'outil de fabrication. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux faire quoi? Attends, là tu fais n'importe quoi là. Vas-y, dis-moi. Ok, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ce qu'il faut faire en tant que mécano. Il est où le chapeau? Et pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'il faut qu'il soit parfaitement droit. Mais quand tu vas le serrer, il va se mettre droit, connard. Non, 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 t'as pas compris ce que je veux te dire. Mais si. Ce que je veux te dire, c'est qu'il soit face à face. Et quand tu serres, il fait plein de trucs, ça sert à rien, mec. Non, 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 non. Ça sert à rien, peut-être, pour quelqu'un qui est riche comme toi, Achille, qui roule en M5. Moi, je roule en Seat, et regarde où qu'elle est. Il faut qu'il soit pile poil. Faut que les deux, là, ils soient pile poil alignés en face, ce qui n'est pas le cas ici. Là, ça y est, on cassait le moteur, les gars. Un coup de maton, les gars. Maintenant que les coussinets de bielle sont parfaitement en face, nous pouvons redesserrer le bordel. Du coup, là, tu vas l'enfiler direct. Comme ton trou de qui? Mon trou de qui? Une fois que le tiersage est fait, que la bielle est mise et que les coussinets sont mis également, nous pouvons passer à... La distribution. Exactement, à demain. Voilà, t'as rebougé tout mon travail. Là, tu t'aurais dû descendre un peu plus. Mais j'ai flop. Oh, j'ai flop. Quoi? Encore? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait encore? T'as mis la bielle à l'envers. Il a flop. Parce que nous sommes sur la Flop TV. Je suis pas bien, Matt. On est en train de présenter l'enfant à sa mère. Essaye de le resserrer un peu là, les segments. Non, c'est baisé. C'est bien. C'est baisé, bon Dieu, oui. Tiens, il est dans l'enculé. Oh, fille de pute. Elle portugaise. Elle réunionnais. Bon, le cadran, c'est bon, t'es en forme là. Il y a un peu de mal le cadran aujourd'hui. Bon, bah après, l'action, elle se répète, comme on a dit plusieurs. Donc là, on est en train de mettre le dernier piston. Et après, on va vous montrer comment on serre les bielles, c'est ça, Achille? Les vis de bielles. Et le cadran, là, il va nous prendre en photo pour Instagram. Où vous vous abonnez jamais. Non, mais c'est vrai en plus. Ils sont bonnes peau. Nous sommes rendus au moment où que nous serrons les bielles. Donc Achille a sorti sa clé dynamométrique, comme vous pouvez le constater ici. Le couple de serrage est de 30 Nm et après c'est combien? 90 degrés. Oui. Je connais, moi, je suis une revue technique Seat, moi. Pas n'importe quoi. C'est une revue technique de la maison de retraite, lui. Quel plaisir que Achille prend en faisant de la mécanique. Toi, l'œil. Donc là, tu vas faire 90 degrés, là. C'est 45, ça? Ton trou du cul qui est à 45 degrés. Voilà, l'injecteur est serré. Là, c'est bon, c'est fini, frère. C'est l'injecteur que je viens de serrer, là. Non, c'est le turbocompresseur. Et là, si tu tiens la chienne... Je vais tenir la chienne. Et là, magnifique. Le ventulasse est en bon état. Tourne le bloc, vite fait, que je regarde le magnifique travail. Et regarde comme c'est joli.
Mon matos, mes outils sont ici. Ton trou de qui, il est où? Mon trou de qui? Attends, enlève la vis, on va la jouer, mais tout de suite, tu vas pas me saouler. Tu peux mettre la vis. Là, c'est de la mécanique de précision. Encore une fois, je nettoie parce que c'est pas moi qui a payé la bombe de nettoyer en France. Bon, bah maintenant, nous allons attaquer le remontage de la culasse, du joint de culasse, et bah, du haut moteur, du bas moteur, du carter d'huile et compagnie. Donc, on va vous laisser sur des magnifiques plans de Achille qui nous montrent comment on fait pour effectuer le remontage d'une culasse avec une clé dynamométrique. Tout ça. Oh, j'ai eu peur. Ah, tu m'as fait peur, Achille. Et regarde, c'est assorti au piston. C'est magnifique. Comme vous pouvez le constater, la peinture du bloc moteur, on dirait qu'il est tout neuf. On l'a refait à neuf. Bon, mon ami, là, dépêche-toi, là, parce que je suis chaud, là. Voilà, là, t'es pas mal. On n'a pas cassé le joint pour une fois, parce qu'une fois, Achille, on a préparé une séate comme ça, on avait mis un joint de culasse, il m'a fait tomber la culasse en joint. Eh, le bâtard, il m'a mis une culasse en fonte ce jour-là, c'était pas une culasse en alu. J'ai le poids. Il aurait moins bu la veille, on n'aurait pas eu de problème. Là, les hostilités vont vraiment commencer. J'espère que vous nous voyez bien, on vous a rentré le bloc dans le garage parce que dehors il faisait nuit. Et nous, on travaille nuit et jour. Quand c'est du TDI, c'est toute l'année, toute la nuit, toute la vie. Bon, nous allons effectuer le serrage de la culasse. Clé dynamométrique, vis de culasse. Là, on vous a broché toutes les vis pour gagner du temps. Achille cherche son embout pour continuer le travail. Mais regarde un peu comment c'est beau. Ah, ouais. Là, regarde comment c'est beau. Le magnifique travail qu'on a fait. C'est bon, t'as trouvé? C'est quoi le menu? En apéro, nous avons 40 NM. En entrée, nous avons 60 NM. Le plat de résistance, 90 degrés. Et le dessert, encore 90 degrés. Très bien. Il n'y a pas de Dijon, par contre. Ah ouais? Ah non. C'est parti, mon frère. Attends, il y a un ordre à respecter. Et pour ce faire, il faut regarder sur le joint de culasse, L-Rings. Mettez du L-Rings, 3 trous. C'est les meilleurs. T'as mis des vis RP pour ouais. La culasse? Ouais. C'est quoi l'ordre? Tu peux le mettre dans mon sens, s'il te plaît? Je l'ai fait à l'envers, en plus. Pourquoi tu l'as fait à l'envers? Clac. Alors, il faut effectuer l'ordre comme indiqué sur le schéma. Première passe à 40 NM. Donc là, toute la passe, elle est faite. La première passe, elle est faite. Non, parce qu'en fait, quand tu serres toutes tes vis, vu que les autres vis sont pas ta culasse, elle est pas toute serrée partout, et bien en fait, tu vas exercer plus de force en premier sur tes deux premières vis, et quand tu vas serrer les autres vis, en fait, tes vis centrales, elles vont se... Ouais, elles vont se relever, ok. Donc faut que tu refasses une passe. Voilà. Là, je vais pas avoir 40 NM. Ah ouais! Vous avez vu? Et ça, il y a quasiment personne qui le fait. Deuxième passe. Deuxième passe à 60 NM. Tac. Elle est bien cette clé-là. Ah, c'est la moins chère que j'ai pris. C'est la moins daron, faut tourner et tu n'étais pas sûr que ce soit 60. Donc ça, c'est un serrage en croix. 4. Pas angulaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en croix ça. Donc 90 degrés, c'est quoi 90? C'est tac. Tac. Voilà, c'est un angle droit. Bon, dernière vis. J'ai l'impression que t'es trop bas, Oussine. Ça va m'énerver. Si les plans sont pas bien, tu vas prendre une claque. Allez, vas-y, Achille, vas-y. Vas-y. En nous, allez. Attends. Vas-y. Là, comme vous pouvez le constater, il a un peu de mal, le pépère. Encore un petit chouïa. Vas-y. C'est bon. Bon bah ça y est, hein, la culasse a serré, bloqué peint. Ah non, faut qu'on mette le carter d'huile aussi. On fera ça demain, on va aller se mettre dans notre lit. Et puis on se dit à demain pour le quatrième jour. Bon, on fait quoi là? C'est au café. Qui c'est au café? Je démonte les chapeaux. Nettoyez ça en bon d'un moment. Foutez un petit coup de peau de vie. Là, on est en train de récupérer les chapeaux qui sont sur mon bloc. Parce qu'il oublie tout chez lui. Une fois, il est parti avec sa voiture, mais il avait oublié la roue de sa voiture chez lui. Achille qui cadre, Mathéo qui fait de la mécanique. C'est du grand n'importe quoi. Bon, là, nous avons un radiateur secondaire de liquide de refroidissement. Il raconte que des conneries. Tellement qu'elle a le chétal, l'auto, tellement c'est un monstre que le châssis, il se déchire de part en part. tu veux qu'on a rigolé du côté de la tienne aussi? Vas-y, viens, vas-y, voir. Viens, on va rigoler. Vas-y. On va rigoler parce que tu fais un petit peu trop le barbeau à mon goût. Vas-y. Ah ouais! Mais moi ça va, c'est rien. Moi je. Ah ouais, fils de pute! Il va les traces partout qu'elle a. Mais en vrai, tu sais, pour l'instant la rouille elle part d'ici. Elle va monter jusque là. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention, tu vois? Faut faire hyper attention à la rouille parce que c'est traître. C'est quoi ça, James? Hein?
C'est quoi ça? Je sais pas, je connais pas, j'ai pas ça dans la mienne. Oh l'enculé. Bon, j'ai une question à te poser, Achille, maintenant. On va voir si t'es fort ou si t'es intelligent. Pourquoi est-ce que nous changeons ces vis-là? Pourquoi nous changeons les vis de palais d'arbre à cames pour mettre des neuves? Normalement, déjà, tu devrais changer toutes les vis. C'est l'idée. C'est comme les courroies, toute courroie détendue, toute vis desserrée doit être changée. À la base, c'est ça. Mais comme cela, elles sont très 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 fragiles. La plupart du temps, dès que tu la réutilises une deuxième fois, ça peut passer. Allez, une troisième fois, la vis, elle s'allonge et elle casse. Ça nous est arrivé. Donc maintenant, on met impérativement des neuves, donc au prix que ça coûte, on passe plein. Hein. Au prix de la prépa, on n'est plus à 2€ près, n'est-ce pas, Achille? Un jour, quand je serai multimillionnaire, ce qui n'arrivera peut-être jamais, je ferai un bloc vraiment hyper beau et je le mettrai chez moi. Un lit 9 TDI, avec un 32, tout. Toutes les grosses pistes. Des pistons diamants et tout. Tout. Avec une grosse bouteille de gaz et tout. Là, je vais faire semblant de serrer et tout. Il va m'engueuler. Faut que je fasse croire que ça bloque. Quoi? Tu serres quoi? Bah les vis! Non, attends, il y a une façon de les serrer. Ah ouais? Ouais. Je l'avais dit ou pas? Il veut pas que je serre. Non mais je rigole, j'ai fait exprès, couillon. Achille, tu touches à sa bonne femme, mais pas à sa mécanique. Alors ça, hors de question. Maintenant Achille, j'ai une question à te poser, parce que moi je suis débile, je suis un gros débile. Mm-hmm. Et le couple de serrage de ça, oui. Il est d'origine. Est-ce que, vu que c'est un plus gros arbre à cames, le couple il change? Non. C'est le même? Oui. T'es sûr? Oui, bah, parce que c'est la vis. Donc il est pas plus gros à ce niveau-là, l'arbre à cam, qu'un d'origine? Non, c'est au niveau de tes cames. Ok. C'est pas question plus gros, c'est enfin si, plus gros, quand tu globalises, l'arbre à cam est plus gros, mais en gros, c'est ce qui change, c'est tes cames. Bon, là, c'était une question que je me posais, donc j'ai préféré la poser devant vous, parce que... Et tu me poses pas ça se trouve, il y a des plus gros débiles que moi encore. Bah, comme lui. De quoi? Bah, lui, il est plus débile que toi, non? Non. Bah si, c'est un débilasse. Oh non. Je suis très content de ma blague. Nous avons approché toutes nos vis de palier d'arbre à cam. Donc maintenant, il faut procéder au serrage. Donc pour les vis d'arbre à cam, c'est 8 Nm et 90 degrés. Voilà. Donc là, nous avons fait les 8 Nm, donc on va passer aux 90 degrés. Ça va, le cadence? Putain, je voulais me décrotter le nez, mais regarde. Ouais, puis tant pis. J'en ai marre, les gars, vivement que ça s'arrête. Du 18 ou du 19? Non, du 18. Ouais. Clac. En 3, là? Ouais. Je dis stop. Encore. Un dernier. Stop. T'es sûr que c'est bon? Ouais. Alors, nous allons passer à la distribution. On commence par mettre le vilebrequin au PMH, enfin le piston, mais ça se passe juste ici avec ton outil de calage. Donc tu as un tracé sur la poulie de vilebrequin et un tracé sur ton truc de calage là. Donc tu les mets bien en face. Une fois que tu as fait ça, tu prends celui qui est tordu, parce que le mien est tordu. C'est avec ça. Tu mets, Mathéo, viens voir par ici. Là tu as un repère 4Z. Tu as un repère 4Z et tu as sur ta poulie, tu as des trucs comme ça et là tu as celui-là. Les deux petits rapprochés. Tu dois le mettre au niveau de la flèche qui se trouve juste ici, 4Z. Donc là, Mathéo, là, tu es au niveau du 4Z. Donc tu prends ça, tu le mets là. Tu as un trou au fond. Tac, là il est mis. Tac, mon repère il est là. Je le mets en face. Tac. Voilà, lâche en face, c'est nickel. Donc là, ton moteur est calé. Donc après, tu peux remettre tes galets tendeurs, ta pompe à eau et ta courroie. Tiens, regarde ce qui se passe, Mathieu, regarde ce qui se passe. Tu te sers là en 18-56, ça pousse bien. Bon les amis, nous avons presque fini l'assemblage du moteur, comme vous pouvez le constater. Nous avons monté l'alternateur, nous avons monté le turbo qui est juste ici, le graissage, le collecteur. Là, je suis en train de refermer le bloc. Nous allons pas tarder à le remonter dans le véhicule qui est derrière là-bas. Bon bah l'ancien bloc est ici, on a essayé de dégraisser un maximum, mais bon, mes mécanos, ils ont un peu de mal. Donc on va passer un petit coup de karcher là-dedans. Bon allez, c'est parti les amis, nous remettons, nous présentons l'enfant à sa mère. Ça là, j'ai juste serré la main. Non. Si. Non. Si. Si. Regardez la jolie bagnole en fait. Bon les potes, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e jour de la semaine. Nous allons emmener le véhicule de sport qui est le mien. Vous connaissez déjà la chanson. Chez le soudeur, on va refaire la surale, on va refaire la ligne. On va passer de la partie
visser à la partie soudée sur la ligne, parce que sur le turbo on passe en V-band. Avant on était en sortie vissée sur le 22-69. On va refaire la surale comme je viens de dire. On va également, on va remonter la face avant. On va remonter les injecteurs 160% qui étaient des 120 avant. Et puis on va faire le premier démarrage. Bon les amis, on se retrouve dans le garage de chez Wish. Soit le soudure. Dropshipping. Il a mis ses Gucci. Ce qui se rappelle de sa paire de godasses, elle est toujours présente. Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas effectuer sur mon véhicule de sport s'il te plaît? Je sais pas toi. Tu sais pas. Qu'on va faire. Alors c'est simple, hein, faut que tu modifies ma ligne d'échappement. Oh la sonde GT, tu me dis pas qu'ils ont mis une sonde GT quand même. Mais bien sûr que si. T'as pas le droit de dire, Sylvain, t'as pas le droit de dévoiler le turbo que c'est. Mais je sais pas ce que c'est. C'est interdit. Bah c'est bien, continue de pas savoir. On modifie la suralimentation du moteur. Et il va falloir que tu nous penses. Bah surale ou admission? Non, la surale, faut que tu ressoudes. Les petits points que. Oui, donc on s'épilogue pas là-dessus. Mais. Faut que tu penses à une admission. Donc il faut que t'étudies, tu prends ton tableau là-bas, t'écris, hop, tu sais, tu fais des petits cosinus, tout ça, des calculs, le mathématique, pour que l'admission le prenne le maximum d'air frais possible. Il y a une solution. Il y a une solution. Tu te souviens le traîneau diesel sport? Ouais, faut que je découpe le capot. Ouais, voilà. Et ça, c'est aussi une qui doit faire ça. Bon bah, on vous laisse sur les magnifiques images où Sylvain flop une fois de plus mon moteur. Bon, ça tourne ou ça tourne pas là? Là, ce qui se passe, c'est qu'on avance très très bien sur le chantier avec Sylvie. Il nous a fabriqué une belle petite downpipe sur mesure. On voit qu'il s'est amélioré depuis ces mois derniers. Regardez ce qu'il m'avait pondu quand même sur ma prépa numéro 1. Il avait pas eu honte de me facturer ça. Et regardez le travail que maintenant il est capable de faire. Ça a rien à voir en fait. Comment ça se fait que ça soit si propre maintenant et avant c'était de la chiasse? Eh bah c'est que là j'avais James dans les pattes, j'avais Achille dans les pattes. Ouais. Et Achille il me disait tu fais comme ça tu vois. Et c'était avec de la récup je crois. Ouais, il y avait des chances que c'était le cas. C'était peut-être le cas, ouais. Et là ce qui s'est passé c'est que James et Houssine ils sont allés manger. J'étais tout seul pour travailler. Mm-hmm. Et qu'on a fait avec du tube neuf. Ça va beaucoup mieux d'un coup. De toute façon, sur le véhicule, là, tout est neuf. Ouais. Tout est neuf. Il y a eu de l'investissement et ça paye. Il y a eu de l'investissement un petit peu, légèrement. Bon, les amis, si vous voulez des belles soudures, il faut aller ici, mais il faut pas être dans ses pattes. On présente l'enfant à sa mère. On va faire quelques petits plans de Sylvain qui vous fait des petites soudures. Bon, après 4 heures d'attente, Sylvain me dit qu'il a enfin fini la ligne d'échappement. Ouais, il a juste fait quelques petites modifications. Petites, trois fois rien. Par contre, un tonnerre d'applaudissements parce que franchement, la downpipe, c'est vraiment pas n'importe quoi. Vous allez sur Drift Shop ou des conneries comme ça, ils vont vous vendre ça au moins 500 balles. Mais chez Sylvain, pour moi, c'est gratos. Eh ouais, les mecs. Par contre, vu que j'ai fait une pub et que son Instagram, son Snapchat est dans la description... Vous, il va tu vous vas allumer faire ça. Par contre. Tu vas faire ça? Ouais, je le fais. Tu vas faire ça? Là, je le fais. Enfin, on va le faire avec Sébastien. Bon, quand il aura fini de faire ce qu'il est en train de faire, ils sont en train de faire des plans avec le cadros là. Bon, les potes, pendant que James remonte sa bagnole, comme vous pouvez constater, le beau ciel bleu, moi je vais me faire plaisir avec mon nouveau jouet que je me suis fait. Je me fais un petit plaisir quoi, je me suis acheté un petit jet. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un site doux. XP. Limited, 951 cm3, 2 cylindres Rotax, 2 temps, 138 chevaux. Apparemment, il a un peu de pièces, il aurait ligne, carbu, hélice. Je pense qu'il doit sortir dans les 150, 160, parce que ça marche vraiment fort. Bon, je vais vous montrer le petit 2 cylindres Rotax, 2 temps. D'ailleurs, je vais pas pouvoir trop vous faire kiffer, parce que sur cette vidéo-là, parce qu'il est en rodage, là, apparemment, le moteur, il a même pas été mis à l'eau. Le gars à qui je l'ai acheté, en fait, il a refait le moteur, et puis il a jamais eu le temps de le mettre à l'eau. Donc, apparemment, il y aurait la grosse ligne, apparemment, là. C'est énorme. Donc, les deux petits cylindres, 951 cm3, 2 temps, Rotax. En dessous là, je sais pas si on voit, mais il y a deux gros carburateurs, ils sont énormes. Non, franchement, c'est propre, ça marche pas trop mal. C'est une petite coque légère, c'est une deux places. Contrairement à certains jets, il a un amortisseur, donc ça fait qu'en fait ma selle elle est pas fixée sur la coque. Elle est pas raide quoi. Quand je prends des vagues quoi, ça me tasse pas trop le dos quoi. Petit guidon street, pas trop mal, voilà quoi. Indicateur de trim, que j'ai la trim électrique. Coupe circuit, bah bien sûr toujours au poignet. D'ailleurs, je l'ai coincé comme un con. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah le bac à batterie quoi, le petit bac à batterie. Ouais, quoi là-dedans d'ailleurs? Il y a le silencieux et on voit l'arbre de transmission et la batterie. J'adore l'odeur. Bon bah je vous fais une petite mise en route quand même que vous l'entendez tourner. Ça démarre au quart, hein. Ça se voit que le moteur a été refait, c'est tout neuf, ça comprime bien. Donc maintenant on va aller se faire plaisir, on va aller le mettre à l'eau.
Et l'inspecteur des travaux finis qui va arriver, et là tu sais que t'es perdu. Ah, mais pourquoi bande de... Je pense qu'on va avoir des insultes en antillais. Mais bande de bouffons, putain, fallait faire une tresse. On a fait une ligne facile à démonter, parce que vu que ça c'est démonté tous les 4 matins, vu que ça fait que de casser, ceux qui roulent en BM vont être contents de ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas grave, j'aime bien démonter. J'aime bien tout changer tous les 4 minutes. En Sylvain un peu moins, mais bon. Bon, on monte. C'est parti. Let's go. Bon, il y a l'inspecteur des travaux finis qui vient d'arriver. Et c'est pas mal. Tu vois le sachet de thé ou... Bah, y a pas grave. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Pour l'instant, il a pas gueulé. Mais quel trou du cul. Non, j'ai calme. Non, en vrai, ça va. Il manque pas quelque chose, en vrai. Il manque quoi? Il manque pas quelque chose sur l'échappement. Sylvain, il manque rien. T'as pas serré quoi? Il manque quoi? Le retour d'une. Il manque une tresse et les supports d'échappement. Ah, voilà. Les supports, c'est en cours. Les tresses, il y aura des tresses dans mes cheveux. Exactement, et plus de barbe sur les joues. Bon, c'est parti ou... Bah, c'est parti, let's go. Pourquoi t'as entouré, là? C'est pour ce qu'il y avait quoi? C'est pour entourer la beauté du truc. Non, non, c'est parce que ça fuyait, je crois, non? Ouais. J'ai l'impression que ça pisse. Une petite fuite, là. Ouais. Et sur le tube, voilà. Il n'y avait que deux. Ouais. Bon, c'est pas mal. Le cadran, il va dire, James, c'est trop chiant. T'as filmé, voilà les plans qui servent à rien. Je m'en fous. Eh, hey, le cadros de mes deux, là. T'avais qu'à être là, espèce de bouffon de mes deux, au lieu de faire du jet ski avec le gros patapouf. D'accord? Avec le gros patapouf. Donc, quand vous voyez des bouffons au magasin, ne prenez jamais le modèle d'exposition. Parce qu'il ressemble à ça. Et c'est pas fameux. Mais pas du tout fameux, non. Ouh, non. Les gars, faut être au cœur de l'action dans le TDI. Je vous le dis. Par contre, la Dunpipe, j'en suis amoureux. Bon, là, nous avons les injos. Achille nous a sagement monté les nez d'injecteur 160% au travail ce midi pendant son temps de pause. Attends, je regarde si on peut voir les trous. T'as pas envie de cliquer ça ? Y'a la GoPro. C'est énorme. C'est gros. Mon calculateur. Le calculateur, il est ici. C'est ça que vous avez essayé de me voler, bande d'enfoirés de mes deux ? Eh bah, certainement pas, non. Bon, les amis, maintenant que Achille nous a mis les joints. 9 sur les nouveaux injecteurs. On va lui mettre une petite lichette de graisse. Bon, la prépa commence à prendre fin, les amis. On a presque fini. Ouais, vous avez bien travaillé, les gars. Tout ça pour ça. C'est bon, t'as fini? Ouais. Ça fait sale, par contre. C'était juste un petit tout loup. C'est quoi que tu fais? Tu règles les injos, là? Les basculeurs. Bon, les amis, là on a un problème. Là, la Cupra est bientôt finie et il y a l'inspecteur des travaux finis qui vient tout juste d'arriver. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre joli travail, Sébastien? Bah, le travail que je vois, c'est que déjà ça démarre pas. Ah, mais non, mais c'est parce qu'on attend, tu vois bien quoi. On attend que tout soit parfait avant de mettre le premier coup de clé quand même. Ça n'a rien à voir parce que le rabra cam, elle est en défaut. Ça n'a strictement rien à voir. Si, justement, ça va avoir quelque chose. Tu penses? Non, là faut détendre et puis faut décaler d'une dent là. Faut se remettre au milieu là. Faut se remettre bien au milieu là sur la poulie qui est, un peu jouable. Faut se remettre au milieu, faut décaler d'une dent. Faut tourner le moteur à la main, voir si ça tape pas les soupapes. Et puis une fois qu'on voit que ça tape pas, et ben on la démarre, voir si elle démarre. Normalement elle va démarrer. Et une fois qu'elle est démarrée, après on joue avec le réglage justement. C'est pour ça que je vais mettre au milieu, comme ça on peut repartir un peu en arrière ou aller en avant. Tout dépend de ce qu'elle va demander au VCDS. Donc voilà, la suite des événements dans quelques instants. Bon les potes, là on a un très gros problème. On arrivait sur la fin de la prépa de la voiture. Donc on a Babas, on a Achille. Donc là on vous explique pas que depuis tout à l'heure c'est n'importe quoi entre les deux. Non, c'est surtout que c'est qui a monté le moteur? C'est le noir. Voilà, et ça démarre pas. On a un défaut d'arbre à cam. Donc là on essaye de régler ça parce qu'on voulait la démarrer avant la fin de la vidéo, mais on n'arrive pas. On va mettre la faute sur Débilas. Je sais pas, essaye de la faire démarrer et puis on en reparlera après déjà. Le mec il dit ça, il a les bras croisés. Ben mais moi je vais pas mettre les mains dans mon chantier, c'est pas moi qui a commencé. Ça l'arrange. Je vais pas essayer de faire démarrer un moteur qui a aucun espoir de démarrer. T'as quoi dire pour ta défense à part ta raie du cul? Pas mal, hein. Franchement, pas mal, hein. Là, je ne comprends pas. Sylvain, t'en penses quoi? Vas-y, réveille-toi, frère. C'est quoi qui fait qu'elle démarre pas? Je suppose. Pourquoi t'as pas ramené un capteur? Non, mais déjà, fallait ramener un capteur à arbre-cam, un capteur vidéo, fallait les changer déjà, fallait mettre des neufs, toi. Qu'est-ce que t'attends déjà, toi? Bah, parce que financièrement, c'était trop compliqué. Au prix, je suis payé sur YouTube à cause de vous, là. Toi, le cadreur, vous me donnez pas l'euro? je me fais escroquer depuis le début de YouTube. Obligé. Non, c'est moi qui me fais escroquer depuis le début de YouTube. C'est un gros menteur. Ouais. C'est le plus riche d'entre nous. Ouais. Il a la 335 la plus puissante de France. Et non, il continue. Il m'oblige à forger un moteur, mettre je sais pas combien de pognon là-dedans pour qu'au final ça démarre même pas. Ah, mais c'est pas moi qui l'a fait. C'est qui l'a fait? Bah, c'est Achille. On t'a appelé tous les jours pour le faire, tu voulais pas? Arrête de mentir. Ça y est, ça commence. Allez, c'est reparti. On va poser Arrête la GoPro. Arrête de mentir. On va poser la GoPro. Par contre, mais c'est impossible, les gars, avec vous, de faire
une journée de mécanique avec vous deux en même temps. C'est impossible, vous êtes tout le temps en train de vous chicaner. Mais c'est pas comme ça. On chicane pas, tu seras conclu. On se pousse la gueule, mon pas. Quelle bagarre. Tu vois, t'arrives dans le garage, tu vois les petits cheveux Achille par terre. Demain, j'en ai pas filmé sur le terrain de foot, quand je lui cours dessus, que je le prends par la tête, qu'on tombe par terre et tout. Et on aurait mis la scène. Et on aurait mis la scène d'Armanou. Achille et Babas, quand ils font de la mécanique ensemble, voilà comment ça finit. Ils vont que de se battre. On aurait dit un gay qui me fait un câlin. Ouais, pas mal. Est-ce que vous avez vu un petit peu dans quelles conditions je vis? Impossible! Avec les deux ensemble! Impossible, l'auto, ouais, c'est même pas, elle démarrait même pas! C'est même pas, elle démarrait pas, il y aurait même pas eu de moteur dans la voiture! Impossible! L'autre, il dit, ouais, c'est comme ça, lui, il dit, c'est comme ça! Ils se battent, ils se prennent par la tête, tout! Ils se gonflent, ah, c'est fini, moi! C'est fini! Alors, regarde, là, il y a, c'est fini! Et il y a l'autre, oh, je m'en fous, moi! Ouais, m'en bats les couilles, moi! Donc voilà! Bon, bah. On leur dit à un prochain épisode pour la suite des événements! Non, 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 bah, déjà, là! Ah, bah, non, on a pas le choix, les gars!